Allez, c'est parti, on attaque le carrelage. On commence d'abord par bien calpiner toutes les surfaces. Pour ça, j'utilise mes deux lasers. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, j'ai le Bosch 3 lignes avec le faisceau vert et son équivalent low cost que j'ai pris sur Amazon, le Popoman. Donc on commence par placer les carreaux. C'est des 60 par 60 rectifiés. On va les poser avec des joints de 2 mm. Au début, on commence par les placer un petit peu à l'arrache. Ça nous donne déjà une vue d'ensemble. Pour l'instant, le laser est là juste pour nous guider et être parallèle au mur. Et après avoir bien réfléchi pendant une petite demi-heure, on a trouvé le calpinage parfait pour faire une pose sans barre de seuil au niveau des portes et sans vilaine coupe qui saute aux yeux. Une fois les lasers bien placés, ça donne ça. On tombe comme ça au niveau du couloir. Là, au fond du mur, on tombe avec une petite coupe de 4 cm, mais bon, ce sera derrière le lit, c'est un mal pour un rendu. Ici, on tombe quasiment avec un carreau entier. Comme le mur est parfaitement parallèle à celui-là, on va tomber avec la même chute, quasiment un carreau entier. Donc c'est parfait, le salon est vraiment symétrique. Au niveau du mur de la cuisine, comme on est plaqué sur le mur existant, on a un léger faux équerre, mais c'est pas grave, c'est sous les meubles. Faut juste pas que le joint soit juste devant la plinthe du meuble. Ici, on tombe à l'axe de la porte et à l'axe à l'intérieur des WC. En gros, on ne pouvait pas rêver mieux. Et contre ce mur, on a quasi un carreau entier. Enfin, sous l'escalier, on finit avec une petite chute. Mais bon, c'est sous l'escalier. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai deux lasers. J'en ai un qui suit le mur et qui part perpendiculairement en rejoignant l'autre laser qui, lui, est aussi sur cette même ligne, qui repart aussi perpendiculairement. En fait, ça me permet d'être sûr que les deux murs sont parfaitement parallèles. Ça m'évite de tracer au sol au début quand je cherche le bon calpinage. Ça va du coup beaucoup plus vite. Allez, on prépare la zone, on déballe la table magique. C'est la STM1800 de chez Festool. Ultra compacte, ultra légère, ultra pratique. Un jour, faudra que je vous fasse une petite présentation. On la met à hauteur, on déballe la nouvelle carrelette. C'est la Ruby TZ1020. Je la déballe avec vous, elle est toute neuve. En fait, elle permet de couper des carreaux d'un mètre par un mètre. Comme ça, on est vraiment tranquille sur la majorité des poses. C'est une vraie merveille. Je vous ferai quelques plans de coupe un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pendant que Mélodie passe le primaire d'accrochage, on assemble tous les petits boulons, les petites règles, le guide perpendiculaire et les pieds de stabilisation. Il n'y a pas à dire, on voit que c'est du matos de qualité, les finitions parfaites. Quand on regarde la taille du guide, les roulements qui glissent tout seuls, ça donne envie de couper simplement des carreaux pour le fun. Allez, on continue le primaire et on attaque le carrelage. Allez, ici, on avait prévu une petite réservation pour le tuyau d'arrivée d'air du futur poêle qui n'avait pas encore été choisi à l'époque. Pour faire ça bien, on y installe une petite grille qui peut se fermer au besoin. Et pour ceux qui se posent la question, en fait, l'arrivée d'air, c'est nécessaire pour avoir un bon tirage et donc une bonne combustion à l'intérieur du foyer. D'ailleurs, le DTU rappelle que le bon fonctionnement du poêle nécessite un apport d'air supplémentaire spécifique. Allez, on dégage le morceau de chape et l'isolant à l'intérieur. On va se faire un petit raccord avec un tuyau PVC pour tomber pile poil au bon endroit.
et on bouchera ça pour avoir un truc au poil, sans vouloir faire de jeu de mots. Allez, une fois le raccord effectué, ça donne ça, donc c'est nickel. On va bien boucher tout le tour à la colle à carrelage pour faire propre. Et après, on a préféré encastrer la grille. Normalement, elle est censée se poser, on va dire, en applique sur le carrelage par-dessus. Mais pour avoir un truc plus propre, plus fini, histoire de pouvoir passer l'aspi ou le balai tranquillement à fleur du carrelage, on a préféré donc l'encastrer et qu'elle vienne à ras, comme vous pouvez le voir ici. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus joli. On nettoie bien histoire de ne pas avoir à gratter plus tard et on continue le carrelage. Vous avez promis quelques plans de coupe, les voici. Bon, sur un carreau ça coupe nickel, c'est normal. Là sur un carreau un petit peu plus fin, hop, voilà, on coupe ça et ça coupe aussi tout seul, sans éclat. La coupe est super propre, vous pouvez regarder. Enfin, c'est vraiment une merveille. J'ai eu aucun carreau cassé sur des petites coupes, des petites chutes de 2 cm. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire.
Et puis on voit hein, quand on casse le carreau, les côtés se baissent légèrement parce qu'ils sont sur des ressorts, ce qui facilite la coupe. Enfin, c'est impeccable. Allez, après ces quelques coupes, on reprend le carrelage. Alors ici, je vous explique qu'on n'avait plus assez de carreaux pour finir. Il y a deux ou trois baquets qui avaient été cassés pendant le transport. Du coup, au lieu de recommander et d'attendre 2-3 mois de délai, on a proposé à la cliente de lui faire un petit tapis d'entrée avec les coupes qui nous restaient. On avait juste ce qu'il fallait pour faire sa propre. Donc c'est ce qu'on a fait, ça rend super bien. Et vous avez vu, hein, tout au long du chantier, on a utilisé les plots noirs. En fait, c'est des pavilifts, c'est des croisillons autonivelants. Ça facilite énormément la pose et le résultat est vraiment parfait. Alors qu'ici, c'est des petits plots orange. En fait, c'est des croisillons autonivelants chinois. On a voulu tester, histoire de voir ce que ça a donné. Ça coûtait pas très cher, même pas cher du tout. Donc on a testé comme ça un petit peu pour le fun. Et je vous ai fait un petit topo, je vous montre ça tout de suite. Je suis revenu le lendemain, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait pour ces trucs-là. Bon, très mitigé, hein. C'est vraiment... C'est très aléatoire. En fait, il faut avoir vraiment fait attention à ce qu'il n'y ait pas de colle au niveau du petit ergot, parce que sinon, forcément, ça reste coincé dedans. Alors, bon, on s'en doutait un peu, mais on voulait faire l'essai, hein, parce que si on n'essaye pas, de toute façon, on ne pourra jamais savoir. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de colle à cet endroit-là. Je vous montre vite fait comment ça se passe. Alors, en fait, vous avez le petit machin. Soit il part tout de suite, c'est très facile, comme c'est le cas ici, parce que le petit truc en métal a réussi à sortir direct. Voilà. Alors, voilà. Ça peut partir très rapidement comme ça, parce que là, il a dû faire attention à ce qu'il n'y ait pas de colle. Des fois, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Et des fois, c'est archi mort, comme lui, à mon avis. Je suis bon à le disquer ou à le péter en espérant qu'il pète à l'intérieur. Enfin, on verra, voilà. Je ferai ça demain. Là, j'étais juste vite fait venu un samedi pour voir comment ça se passait. Bon, dans l'ensemble, ce que j'ai pu enlever et ne pas enlever. Bon, je vais avoir un petit peu de ménage à faire. Bon, je l'ai enlevé aussi sur le tapis à l'entrée, là, qu'on a fait. C'est vraiment ce qu'on a fait en dernier hier. Et là, tout est parti, ça sortait tout seul. J'ai mis 10 secondes à tout enlever. Donc, je pense que c'est vraiment, ça peut être bien, mais il faut pouvoir les enlever très rapidement. Parce que dans la salle de bain, c'est ce qu'on avait fait au début et ça a eu le temps de trop sécher, quoi. Voilà pour le petit test. Allez, ensuite, on attaque les joints. Alors, très important, hein, faut vraiment bien, bien préparer la surface. Il faut bien aspirer ce qu'il y a entre les carreaux, bien vérifier que vous avez la profondeur nécessaire pour avoir un joint qui rentre bien. Ça, c'est vraiment important, sinon vous allez avoir des différences de couleur. Ça risque de craquer, de partir avec le temps. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et si vous avez laissé un petit peu de colle entre les carreaux, il va falloir les nettoyer, par exemple, comme ça. Bon, là, j'ai utilisé une multitool avec un disque diamant, mais vous pouvez prendre un gras de joint, une meuleuse avec un disque à découper. Par contre, il faut faire hyper attention à ne pas attaquer le carrelage, hein, sinon vous allez le rayer et vous allez tout pourrir. Enfin, voilà, maintenant, vous verrez le résultat final dans la vidéo finale du chantier, que je vous montrerai un petit peu plus tard. Allez, ciao!